Putain, c'est Man, tu mets pas mal trop souvent ma face sur YouTube quand c'est pas mon temps. Ouais, ben là, hey, c'est quoi, je fais plein d'affaires en même temps, les gars, puis des fois, j'oublie que c'est ça run, fait que ça se peut, des fois c'est Mick, des fois c'est moi, des fois c'est Lepage. Tu sais, ça cause. Ouais, mais pourquoi tu mets pas, genre, quand c'est la personne qui parle, on voit l'image? Comment tu penses que j'ai essayé. Comment tu penses que j'ai essayé longtemps de faire ça? Sur l'ordinateur, c'est pas la même affaire que sur celle. Comment je fais? Dites-moi les Tu fais ça. Regarde, là, présentement, tu as cliqué sur l'image de mes. Alors, clique dessus. Parlez donc. Un, deux. Qu'est-ce que je fais encore là? Là, tu vois le carré. Oh, ben tabarnak! T'es pas sérieux? Oui, esti. C'était juste ça? Ben oui. Arrête donc de parler 30 secondes, voir. Un, deux. Non, ça marche pas, check. Check, je suis en train de. C'est ton image à toi. Quand je vais parler, peut-être ça va être moi qui va popper, là. Ouais, ok. Oh, toi, tu dois pas popper vu que c'est ton image. Pardon, le page. C'est moi qu'il faut qu'il parle. Là. Mais là, Mick, on voit son autre image parce que Mick, il a pas la bonne cam. Puis moi, il faut que je clique dessus. Fait qu'au pire, vous deux, je vais vous laisser gérer automatiquement. Puis je vais gérer moi puis Mick. À mi-terne. Ton ami OK. OK. Dans le chat, on a beaucoup de personnes. Mon chum de gars, Louis, vient de se joindre à nous. Je vais renvoyer le Discord. Si tu veux venir nous jaser, Louis, tu peux venir dès là. Pastarkoun, les gars, si vous voulez vous mettre en waiting room. Je peux faire une demande spéciale de musique. Ben oui, vas-y. Je vais mettre la musique avant de mettre. Les gars, je m'excuse en passant. La dernière partie, j'étais vraiment trop chaud. Non, t'es pas si pire que ça. T'es mon état normal. Wish de Nier Automata, ce serait cool. T'as une minute, laquelle? Birth of a Wish de Nier Automata. Birth of a Wish or Witch? Wish? Wish. Okay. Birth. Là, le comme le magasin est cheap sur Internet. Attends, on va Tu vas prendre le titre officiel là, de la fille qui va demander des tunes au bar chez Cody. Hé, puis qui mette ton nom? J'ai été DJ dans un bar, hein, puis je le sais tellement comment c'est désagréable. Attends. Entendez-vous pas pire, la gang? Jason, il y avait le goût de ça. Bon, ça dit que du monde dans le waiting room. Je vais aller voir. Ben est dans le waiting room. Vraiment. Je te move. Chum. Oublie pas de te démuter. Pastarkoun, c'est le temps de te joindre. C'est qui rote de même? C'est hot. Fuck sake. C'est GM. C'est beau. Voyons, je suis. Man, c'est ta bière masque que tu m'as amené la semaine passée. Ok. Au tropical. Bah. Aux fruits tropicaux. Ouais, pas super, pour vrai, pas mauvaise. Ven, parle donc. Matt. Voyons pourquoi j'entends pas Ven. Attends une minute. Voice meter, voice activity. Mick va voir qu'est-ce que Matt a écrit. Ouais, ouais, j'ai vu ça. J'ai donné une partie de ma paye et tout, mais ça, c'est un autre. Je pense que je vais enlever le chat à l'écran. Mais là, pourquoi que j'entends pas Ven? Attendez une minute, là. Ton micro est activé, mon Ven? Ouais, pourtant. Ah, t'es dans Waiting Room! Yep. Qu'est-ce que tu fais dans Waiting Room? Là, si je comprends bien... Sitting in the Waiting Room. Jason, toi, tu joues à des jeux de PS4, tu t'appelles 5 d'attitude, là. Comme c'est là, oui, le seul jeu de PS5 que j'ai joué, comme je te dis, c'est... Astro's Playroom, puis à part sacré que le petit jeu de. Voyons, le petit vaisseau, t'as-tu trouvé ça pas pire? Ça m'a fait rage quit, man. Mais le concept, genre, tu sais, passer à travers le inside du PS5, puis toutes les easter eggs de différents jeux, puis des vieilles consoles, je trouve ça super cool. Mais hostie que j'haïs le motion control. Profondément, ça remonte à la Wii, là, je déteste le motion control.
Ok. Ok. Les platanes, man. Fais quelque chose. C'est au point de m'avoir fait rage quit, man, pour vrai. Ouais, comment okay. c'est que je t'entends mais, pas? Mais tu sais, les triggers, tu trouves tout ça pas pire? Oh! Hey, les triggers, man. Je t'entends pas parce que je suis pas dedans, hein. Maudit cave de calice que je t'épais. Ouais, c'est ça, JF. Comme je dis, j'ai essayé Project Cast, je voulais voir dans le jeu de course de quoi ça avait de l'air. À deux. Puis c'est un jeu de PS4 qui n'est pas développé pour ça. Et j'ai vraiment hâte de voir, genre, Gran Turismo 7, apparemment. Comment les triggers dans le jeu de course, ça va être. Non, là, j'entends. Que... Ouais, attendez, on. Il y a moyen de jouer ça. 30 secondes. 30 secondes, les gars, là. J'ai... Ça marchait pas parce que je suis cave, puis j'étais même pas dans On Air. Tu devrais te faire un soundboard avec ça. Non. Comment ça va, Vin? Là, je sais pas. Là, d'ailleurs, il va falloir checker si il y a un délai. Genre, quand vous entendez Vin, puis quand que lui parle, si moi je l'entends avant vous autres, parce que j'ai cru remarquer dans le dernier live qu'on a fait avec le Discord qu'il y avait comme un petit délai une fois de temps en temps. Fait que parlez donc, les gars, voir. Check. Ça, c'est peu que d'aller à Vancouver à toi, puis après ça, que ça aille au gars, il y a un petit délai, je sais pas. Pas sûr. Ben, on t'entend bien. OK. Puis Matt. On va faire un test, boy. Matt, pardon. On va faire un test. Vin, dis-moi Maple Leaf de Toronto. Yes. Maple Leaf de Toronto, c'est une équipe de merde qui perd dans Game 7 contre mes beaux Bruins. OK. Je vais prendre une demi-seconde, man. Comment ça... Super, man. Comment ça va, Matt? Bien. Ça va. Pardon. Ça va moyen, un ping de merde à soir, là, fait que. Encore les vieux taporn. On t'entend bien. Hey, Louis, si tu veux te joindre à la conversation, tu peux rentrer direct. Je sais pas, Pastarkoun n'a plus l'air là, c'est plate. Ouais, Pastarkoun, il voulait s'impliquer. Ouais, Pastarkoun. Hey, j'en profite, Matt, est-ce que je t'ai vu jouer à Anthem récemment? Non. Ça sent le jugement. À Anthem, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Matt ait joué. J'ai pas joué à ça, non. Je sais que j'étais curieux de quoi ça a l'air en 2020. Malade. Hey, tenez la conversation, guys. Je vais aller pisser 30 secondes. Là, fait que j'osais avec le monde. D'ailleurs, si vous voulez tout vous acheter les persos de Paladin là, en spécial à 13$. Là. Fait que si on veut faire un comeback à ce jeu-là, ça serait le temps. Ça fait un bout que j'ai pas joué à ce jeu-là. Ah, man. Même Rocket League, ça doit faire un mois et demi que j'ai pas joué, puis je pleure ma vie. Hey, moi, je pense que ça doit faire trois semaines. Qu'est-ce, les gars, vous combattez votre addiction, c'est une bonne affaire. Non, même pas. Je suis en train de jouer à Phantasy Star 2. Au Genesis, que je me suis encore fait cheap shotter, man, pas plus loin que là, 2 jours. Une belle grosse demi-heure, mon gars, à faire mon vélo, à suer ma vie, à monter mes levels pour finalement finir ça à la 28e minute. Mort. Mort. Puis là, là, dedans, ces jeux-là, Phantasy Star, je pense que c'est plus rough que Dragon Warrior. Ils t'en remettent pas, genre, au dernier save, puis t'enlèves la moitié de ton argent. Non, ça recommence, ça reboot le jeu, puis t'es mort. Fait que ta demi-heure, là. Elle est finie, elle est dans le poil. Dans déjà, le poil. Jouer un jeu, c'est mettre du temps dans le poil. Imagines-tu le sentiment que j'ai, man? J'ai déjà l'impression de perdre du temps. J'ai l'impression de perdre du temps par-dessus perdre du temps, sti. C'est ça. Perdre du temps au carré. Mais en tout cas. Sinon, mais là, je joue à Dark Alliance avec ma copine, puis je me suis pogné Dark Alliance 2. Mais là, attends un peu, là, tu joues ça au Play 2, toi, là? Play 2. Là, on est en train de faire Dark Alliance, on l'a fait à Hard. Là, on va le faire à Extreme. On est en train de le finir à Extreme là, pour débloquer le personnage secret avec Mais les deux armes. C'est ta copine? C'est Louise. Ok. J'avais le. Ok. Ok. Oh, Max, il faut que tu fasses un soundboard du hockey à Jason. Au début, je pensais que c'était tout dans ma tête, ça, Jason. Je pensais que. Je pensais que c'était comme une. Ma création, que. Mais non, finalement, ça s'est avéré vrai. Puis. avec. On va faire presque 2 mois, là. Je parle de ça de même sur le live, là. Mais ça va bien. Puis là, je me suis pogné Dark Alliance 2 en plus pour continuer en coop.
Puis ça m'a fait penser à un bloc justement qu'on pourrait faire plus tard, les meilleurs jeux couch co-op. Puis j'entrerai. T'es pas original. Ouais. Peut-être qu'on l'a déjà fait dans des vieux épisodes. En plus, ouais, peut-être. Stopper. Mais je te dirais, j'ai tout le temps voulu faire les Dark Aliens, puis je me demandais, ça c'est pas, c'est plus à la tour par tour, c'est pas... Non, Dark Aliens c'est comme Diablo. Ok, c'est pareil comme Diablo, ok. C'est comme Diablo, c'est peut-être moins, le looting est moins peaufiné. C'est Dark Aliens, c'est dans l'univers de Donjons Dragons. Quand okay. tu checkes en arrière des boîtes, c'est fait par Wizard of the Coast. Ah oui, c'est sont... carrément Dark Aliens, c'est carrément Donjons et Dragons. Ben, je pense que Dark Aliens, ça doit être une campagne de Donjons Dragons. Exact. C'est Baldur's Gate, Dark Aliens pour PS2. C'est ça, exact. Non, c'est en plein ça. OK, c'est un des Baldur's Gate qui avait été fait pour les consoles. Oui, c'est ça. Ensuite, un peu plus tard dans cette lignée-là, ils ont sorti les Champions. Ouais, ben c'est ça. Va-tu falloir que je te prête Champion of Norat? J'ai les deux. J'ai les deux aussi, fait que... T'es as-tu déjà fait? Oui, j'ai déjà fait. Le deuxième, là, on a déjà essayé de jouer à 4, là. Hey, man! J'ai jamais vu un manque de framerate de même dans ma vie, là. Le jeu est impossible. Tu sais, vraiment, là, littéralement impossible à jouer à 4. Je te crie. Dark Aliens, man, il rush des fois, tu vois qu'il rame. Pauvre petit jeu. Puis tu sais, c'est pas des jeux les plus stables en plus. Hein. C'est des jeux qui ont tendance à bugger. Pour vrai, notre Dark Aliens nous a craché dans la face une couple d'autres. Mais je suis habitué de jouer avec des jeux de même. Je suis rendu habitué. Jouer avec un Sega Saturn, les gars, ça fait partie de la vidéo. Hey, en parlant de Sega Saturn, il va y avoir une nouvelle console Saturn qui va sortir avec des graphiques updatés et tout. Je sais pas qui va la sortir, là. Mais du nouveau hardware de Sega Saturn, updated. La nouvelle console Bud Light. Wow, la fois, qu'est-ce que tu dis, Vern? Ah, j'ai dit, c'est-tu pour les vieux jeux, cette nouvelle affaire-là, ou c'est pour des nouveaux jeux que Saturn friche? C'est des vieux jeux, nouveaux jeux, mais c'est rien que la console va être updated pour être HD. Ben, ça doit être analogue. Dans le fond, tu c'est comme une Sega Saturn HD, ben non, c'est une autre affaire. Ouais, ben moi, ce que je vois, c'est une console avec déjà le mode HD dessus, là, ce qui coûte pas mal moins cher que le faire sur sa vieille Saturn, là. Ou un Pony Mega ferait le même travail, mais qu'on l'aille. Ouais. Justement, dans le chat, on avait Matt. C'est quoi, t'as dit, Matt, dans le chat? Répète donc ça. Ben, c'est comme les Jéhovah qui prédisent la fin du monde aux 2 secondes. Michael, malheureusement, je pense qu'il croit au Pony Mega. On va être. On va être 77 800 élus. Okay. Les gars, il y a un gars qui attend dans le chat room que je joue dans le waiting room. Louis Hillenbrand. Ouais, Docteur Fecto. Okay, Docteur Fecto a été chercher une bière, buddy. Il y a quelqu'un dans le waiting room. Oh, il y a quelqu'un dans le waiting room. Ce sera pas long. Je m'en vais le drag in. C'est Louis. Hey, les gars, qu'est-ce... Louis, t'es sur mute. Je vais te mover dans on air, mais il va falloir que tu te démutes. Ben, c'est quoi t'allais dire? Oh, j'avais deux petites questions pour vous autres. C'est quand vous avez mis la PS5 puis je sais pas si c'est les S, série S ou série X. Y en a-t-il une que vous voulez comme prendre la place niveau ergonomique chez vous, comme ça va bien, comme pour placer ça, ou qu'il y en a une qui est plus crissante un peu, c'est la même petite affaire. Puis le bon autre affaire, c'est, tu sais, quand Max il a parlé de le jeu de Cochrane. Activement pour se mettre en forme. Oui. J'ai dit, hey, ça serait le fun, je pourrais en acheter une pour moi, une pour ma blonde, puis on pourrait jouer en même temps. Puis j'ai vu, ça joue pas en même temps. Non. Mais là, j'ai fait quel jeu que je pourrais jouer avec ma blonde en même temps pour se mettre en forme. J'ai une. Ben, Chris, ben, meilleure solution pour toi. Achète pas deux fois Ring Fit, mais achète une fois Ring Fit, puis achète une autre ring pour ta blonde. Puis faites la même affaire, là. Suivez les exercices ensemble, puis vous allez pouvoir. Faire vos exercices ensemble. Faites du sport de couverte. C'est juste qu'il faut attendre le tour de l'heure. Ouais, mais non, mais... Non, pendant que tu fais tes exercices, elle la suit, elle fait les mêmes choses. À elle, son Joy-Con n'est pas connecté, elle a rien que le ring. Mais elle peut faire tout ce que tu fais.
Non? Ok, tu faisais un des personnes à l'affaire pour la jambe, puis l'autre. Ben ouais, puis l'autre, t'as rien que le ring. L'autre, puis elle tue. Genre, elle fait les mains. Ok, ouais, elle a pas pensé à ça. Ok, bon, ben, c'est un peu une solution de merde, pareil. Hey, fuck you. Ouais, sinon, hey, on va voir. Faudrait essayer. 30 secondes, guys, j'aimerais dire que Pastarkoon est rendu avec nous dans le chat et que Louis, pour moi, il a pas trouvé comment démuter ses affaires. Fait que oui, Pastarkoon, comment ça va? Bonsoir, ça va? Yeah! Sacré, ça roule. Bonsoir. Hein? Ça fait un bail qu'on t'avait vu, puis la première fois, je pense qu'on t'entend. Ça fait plaisir de vous parler, en tout cas. Yes! Griff, c'est quoi tu fais de bon, là, toi, cet ancêtre? À quoi tu games, mon pote? Ma PlayStation 5 surtout, là, puis ma Switch. Là. Tu es d'accord un peu avec ce qu'on a avancé sur la Play 5 puis la Xbox, malgré que tu n'as peut-être pas essayé la Xbox, là, mais est-ce qu'on a parlé? Ouais, je suis d'accord pour la PlayStation 5, ce que vous avez discuté là ce soir. Ah ouais, toi, Pastarkoon, tu serais enthousiaste, je pense, à contrôler le Discord ou je sais pas trop comment organiser ça. Là. Je suis comme moi, j'arrive là-dedans puis je connais fuck all. Là. Moi, je drop des affaires là, sur Discord comme si j'étais ton mononcle qui souhaite bonne fête sur son propre mur sur Facebook. Allez voir! Pastarkoon, ben oui, moi, je suis à l'aise à gérer ça. J'ai un Discord à moi. Puis, Il y a quelqu'un qui m'a géré au départ tout mon Discord qui a tout fixé ça. Puis après ça, j'ai pris le relais. Puis là, c'est man. Max nous a même pas ajouté nous autres comme admin encore, est-ce que... Ben, je suis même pas trop sûr de savoir comment faire, va falloir checker, mais tu revois Pastarkoon dans News, toutes les news qu'on drop, genre en vidéo, pis dit à Mike qui écrit « New épisode 94, Mick 2 points », pis qui liste ses news. Ouais, c'est ça, regarde, je pensais que c'était même pas le faire. Moi, je pensais que c'était juste nous autres, que c'était comme une conversation entre nous. Fait que là, je vais envoyer ça à Max pour qu'il puisse faire son template pour l'épisode. Non. Mais non, il m'a dit, non, tout le monde voit ça, là. Ouais. Même moi, je suis comme un autre extrait, je vois ça comme un serveur IRC, et je veux créer comme plein de rooms dedans. Il voulait même faire une room de porn, là, le père, je pense que ça va trop loin. Clairement, si. Il nous faut une room de porn. Fait quoi, Pastarkoon, mettons que je t'ajoute comme admin. Ça fait que tu vas pouvoir, mettons, draguer le monde in comme je fais, parce que là, anyway, il faudrait que tu montes, parce que je pensais mettons, on air avec une permission. Parce que sinon, tout le monde peut rentrer pendant qu'on est on air puis commencer à dire des niaiseries, j'imagine. Mais quand qu'elle est lockée, Ven, ça marchait pas. Mais c'était peut-être parce que j'étais pas dedans. Ouais, je pense que j'étais pas dedans. Je pense que c'est moi qui est retard. Tu sois dedans, mais je pense que quand tu t'amènes, tu peux déplacer les gens comme tu veux. OK, fait que mettons, même si elle est locked... Mais si t'es pas dedans, t'es capable de les rentrer. Ouais, mais c'est... je les entendrai pas, par exemple. Normalement, tu les entends. OK, parce que j'entendais pas Ven, pas en tout. Là. Ven, on t'entend encore? Ouais, ouais. OK, on a perdu Matt, by the way. Matt, pour moi, son ping allait vraiment pas bien. Il laguait du barnac. Mais ouais, je vais regarder. Comme à l'habitude. Ouais. Je vais t'envoyer un message. Il est mort déjà. T'envoyer un message perso, Pastarkoon, pour savoir comment t'ajouter admin pis tout. Puis d'ailleurs, je vais te demander aussi, penses-tu qu'il faudrait que les gars soient dans conversation on air avec nous pour réduire le lag, ou vu qu'eux autres sont dans Discord, pas dans Discord, mais dans Hangout, c'est correct ou. Ben, je pense que peut-être, oui, ce serait le best que tout le monde se retrouve dans le Discord. Parce que moi, quand disons que je fais un live sur Twitch, toutes les gens se viennent embarquer sur mon Discord. Là, à partir de là, tu peux... Je sais pas comment ça fonctionne, là, live sur YouTube, là. Mm-hmm. Mais normalement, moi, sur Twitch, c'est dans mon son de desktop, les gens peuvent entendre les autres personnes. Là, en ce moment, les gars sont comme dans mon output à moi. Puis, fait que moi, ce que j'entends, ils l'entendent, mais là, je me dis, y a-tu du lag à cause de ça? Il y avait quoi? Comment le page tantôt? Une seconde que je pense qu'on a fait avec Ven? Même pas une demi-seconde, là, c'était pas si pire. Pas si tant pire. Mettons, Ven, si tu nous réponds là. Ah, c'est pas pire, même. Ouais, c'est pas si tant pire. Fait que j'écoutais la dernière émission qu'on a faite, mais semble on avait du, euh,
du délai entre chaque fois qu'on parlait, mais c'est la première fois, là, on était... On était ouais, comme un petit mouchevet à l'autre bout du Canada, fait que le délai, pour moi, est encore plus grand qu'avec l'autre monde, puis c'est à peine s'il y a du délai, fait que ça doit être pas trop pire. Ouais. Ouais, moi, je suis pas mal sûr que Saint-Philibert, c'est pire que Vancouver. Hey, buddy, j'ai 500 mecs secondes, ça là! Ça se peut! J'ai 500 mecs secondes, si j'ai le best mix, c'est la même affaire, puis GF aussi. Je suis sûr qu'on a meilleur que toi, Lepage. Ah, probablement. Je vais demander, Pastor Kuhn, est-ce que tu twitches du Demon's Souls? Pas encore. J'ai pas encore commencé vraiment Demon's Souls. En tout cas, si jamais tu le fais, tu envoie-nous un message sur Facebook, mais je suis curieux de regarder de quoi ça a l'air. Probablement que je vais en faire très bientôt. Facebook ou même tu le dropperas dans le Discord du site, man. On va le voir direct. Puis d'ailleurs, yes. Si tu fais des combats de Pokémon, tu me referas signe. Moi, j'ai recommencé à jouer pas mal solide. Là. Je fais beaucoup de Shiny Hunt ces temps-ci. Là, ouf, ok, pour me ouais. monter une équipe Shiny Hunt stratégie. Là. Ouais, ça cause ce Shiny, ça change rien c'est dans cette. Je vais commencer par faire une équipe normale. Là, ils sont trop beaux. Juste pour se la péter là, en combat. Ouais, t'as-tu ouais, une équipe c'est comme, normale? C'est comme les foils dans Magic un peu. Là, oui. Les cartes foils. C'est la même. Ouais. Ouais, sauf que je mets 25 heures pour en trouver un. Ah, c'est long, tabarnak. Nous autres, on met 300 pièces, c'est juste ça. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est quelque chose. Mais Criff, j'ai hâte de te montrer ma nouvelle team Pokémon. Là, je me suis fait un Skarmory Defog. Sais-tu comment je l'ai fait? Ça va être un peu controversé, ce que je vais dire là. J'ai hacké ma 3DS, puis j'ai mis un programme sur mon ordi pour générer le Pokémon que je veux, que j'ai réussi à transférer, et en le tweakant... On a flagué à Nintendo, t'es ban à vie, aussi. Ouais. Ouais, Ben Hammer. En le tweakant assez, parce que c'est compliqué de faire passer les tests pour qu'il rentre dans Pokémon Home, mais j'ai réussi à le faire, fait qu'il est rentré dans Pokémon Home, puis j'ai réussi à l'envoyer... dans ma Pokémon Sword and Shield. Puis là, je l'ai là en ce moment. Là, je joue avec mon Defog Skarmory qui est genre pas tant dur à faire. C'est qu'il faudrait que je m'achète une cassette de 120$ pour faire ça. Ça me tente pas. Hey, 120$ pour un Pokémon, là, je m'excuse, là, mais moi, je suis pas... Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Pas comme ça, là, moi, là. Nerds alert! Nerds alert! Ouais! C'est plate! Comment t'as dit, Mick? T'es pas si rich de même. T'es pas. Ouais, ok. C'est plate! Je leur dis une deuxième fois juste pour toi. Fait que merci beaucoup. La gang, ça c'est fait bon, du. Ouais, ça moi, fait... c'est pas que je vous aime pas, mais je suis rendu trop chaud, fait que je vais aller jouer à Dice. Ouais, moi, je connais. Hey, man, t'es plus chaud que moi. Je commence à chaudir autour. C'est moi, cool. Hey, ça va être beau cette fin de stream. Hey, Pastor Kuhn, Ven, merci d'avoir été des nôtres aussi. Ouais, Matt ben qui s'est sûr. Joint à nous. Louis qui a pas trouvé comment se démuter. Merci beaucoup, la gang. Ça va être dans les highlights de C'est pas pour les doux. Vous regarderez ça justement sur le Discord, les gars. Je pose tout. Tous les clips, quand il y a un nouvel épisode, tout est forwardé sur le Discord. Fait que j'espère bien qu'on va te voir, Pastor Kuhn, puis je rentre à nouer en contact avec toi pour l'admin, le Discord et tout. C'était cool, il y a eu beaucoup de monde. Merci, c'était très apprécié. Ouais, un jour, on jouera à Battlefront 1, moi et puis Pastor Kuhn. Un jour. Merci, Pastor Kuhn, pour ton A. Comment? Comment t'as dit, mon mec? Ouais, merci, Pastor Kuhn, pour ton offre. C'est apprécié. C'est rare qu'on voit du monde qui veulent donner du temps. Puis, je te lève mon chapeau. J'ai juste ça du temps, là, présentement. Bon, ben, Criff, on se repogne, tout le monde, la gang. See ya! Cheers! Comment je ferme ça, ma bêtise? Que fait le là? C'est pas comment. Que fait le là? Bon, j'ai fermé le Discord.